Voltaire est vraiment incroyable. Un super ordinateur si puissant qu'ils l'ont placé sur la Lune pour qu'il soit suffisamment refroidi. Pas qu'en suivant cette logique, ils auraient carrément dû le faire tourner dans le vide spatial. Mais bon, c'est mieux pour la pub. J'ai passé quelques heures de mon temps libre à programmer des simulations stupides. Enregistrement pour Nova Galactique. Ingénieur en chef Lan Shu. Voltaire a besoin d'être reconfiguré pour cette nouvelle tâche. Les calculs qu'on nous demande de réaliser sont ambitieux, même pour un super ordinateur. Autant lui demander de calculer le nombre de... Quand j'ai accepté cette mission ici, on nous avait dit d'apporter quelques objets personnels. Une étude psychologique avait dit que ça aidait quand on s'éloignait de la Terre pendant si longtemps. J'ai apporté le vieux boulier de ma grand-mère. Je jouais avec quand elle me prenait sur ses genoux et qu'elle m'enseignait les chiffres en russe. Elle... Je viens d'apprendre qu'elle vient de mourir. La prochaine navette ne partira pas avant 3 mois, donc je pourrai pas me rendre à son enterrement. Adieu, Babushka. Merci de m'avoir appris les maths. Elles m'ont emmenée sur la Lune. Enregistrement pour Nova Galactique. Ingénieur en chef Lan Shu. Je l'admets, ce n'est pas l'équipe la plus disciplinée avec laquelle j'ai pu travailler. Malcolm n'arrête pas de voler du temps de calcul sur Voltaire et croit que je m'en aperçois pas. Sabina, quant à elle, est distraite ces derniers temps et elle refuse de dire pourquoi. Je devrais exiger des réponses de leur part, mais honnêtement, je suis trop préoccupé par ce contrat. Nous le sommes tous. Malgré tout ce qui se passe dans nos vies privées, il y a quelque chose de spécial dans ce que nous construisons ensemble. Ok, c'est l'heure des confessions. Être célibataire dans une base lunaire est le pire truc qui soit. J'ai genre une heure tous les 2 jours pour utiliser le canal de communication vers la Terre. Et laisse-moi te dire qu'il y a les relations à distance et les relations à longue distance. Tu vois ce que je veux dire? T'es jamais jalouse, tu sais, de l'équipe du chantier qui construit pour de vrai les vaisseaux qui vont voyager vers les étoiles. On est littéralement dans une base sur la Lune. Oh, allez, quoi, Sabina! J'essaie de partager mes rêves, là. Mais tes rêves sont toujours ailleurs. Et jamais ici, on les voit tous. Tu pourrais pas simplement être heureux et faire ton travail? Mais où est le fun là-dedans?
durée de rotation du moteur presque terminée. Temps total, 5 minutes et 22 secondes, comme prévu. Est-ce que les valves d'hélium 3 tiennent le choc, Nova ? On a vérifié tout le circuit 2 fois ce matin avant le lancement. Tous les signaux sont ouverts. Y a-t-il eu des changements dans la séquence de calcul de Voltaire ? Aucun changement depuis que nous avons entré les derniers chiffres hier. La trajectoire est nickel d'ici à Jupiter. Un jour, cet ordinateur sera à bord du vaisseau spatial. Imaginez un peu. Un miracle de la science à la fois, Canaveral. Compte à rebours dans 5, 4, 3, 2, 1. Canaveral, vous nous recevez ? Tout est parfait, Nova. Les indicateurs sont bons. Le vaisseau devrait orbiter autour de Jupiter en ce moment. Confirmation visuelle possible dans... 32 minutes. J'ai bien peur que la vitesse de la lumière soit un peu lente ces jours-ci. Comment on sent après avoir enfreint les lois de la physique, Canaveral ? On est tous très excités ici à la NASA. Je dois bien l'avouer. Assez excité pour me dire où vous avez obtenu les données originales. Même pas en rêve, Nova.
Journal de la station. Docteur Judith. Journal de la station. Journal de la station. Docteur Judith Tatienne. J'avais pas été aussi nerveuse depuis ma soutenance de fin d'études. 4 heures à discuter avec Victor et son équipe des métaux théoriques, de la liaison chimique et même une demi-heure sur le magnétisme. Dans ce qui était une tentative, j'en suis presque sûre, de me faire perdre le fil de notre conversation d'origine. Et puis je suis entrée dans le labo. Je sais pas à quel point je peux en parler, mais disons simplement que le tableau périodique des éléments vient de passer par la fenêtre. Aucun graphique expliquant ces fréquences harmoniques. J'arrive même pas à déterminer un point de fusion. Judith. Mais ça fait des mois que vous me faites construire ces prototypes de collisionneurs. Et maintenant, vous voulez que j'y ajoute de l'hélium-3 d'après cette équation que vous avez écrite sur cette satanée serviette de table? J'ai besoin que vous me fassiez confiance. Mais je vous fais confiance. On se cogne la tête contre les murs depuis des mois à ne rien obtenir. Et vous, vous continuez à proposer de nouvelles choses comme si vous saviez ce qu'allait se produire. D'où est-ce que vous sortez vos informations, Victor? Je suis désolé, Judith, je... Écoutez, pas ici, d'accord? Ailleurs, en dehors de la base, je vous dirai tout. Mais je ne mens pas, je vous le jure. Nous allons découvrir quelque chose d'important ici, je vous le promets. Thank you.
Journal du projet. Docteur Judith Tatienne. J'ai assisté à l'essai de l'astromoteur depuis la Lune aujourd'hui. Pour la première fois, nous avons pu parler à l'équipe de Nova Galactique directement. Tant de choses étaient cachées avant. Maintenant, tout le monde veut bénéficier d'une exposition maximale. On a reçu des propositions pour assembler des centaines de moteurs, des expéditions vers Alpha du Centaure et au-delà. J'avoue que tout ceci me dépasse. Et m'inquiète. Il va nous falloir des années, des décennies pour déterminer l'ensemble des effets secondaires des astromoteurs. Mais personne n'a envie d'entendre parler de ça pour l'instant. Comme des pionniers qui se précipitent pour repousser les frontières sans savoir que des grizzlies se cachent dans les montagnes. Je n'ai jamais visité vos laboratoires. Je sais ce que je vois, Victor. Je suis le docteur Victor Aiza. Et si vous écoutez ce message, alors vous connaissez probablement déjà la vérité. J'étais jeune lorsque j'ai mené l'équipe de récupération d'une étrange anomalie gravitationnelle sur Mars. Mais j'ai caché ce qui s'est vraiment passé ce jour-là à tout le monde. À l'exception d'une personne. Même elle ne m'a pas cru au début. Mais je n'ai plus aucune raison de mentir à quiconque aujourd'hui. Alors, qui que vous soyez, j'espère que vous accepterez cette... confession. Quand j'ai touché l'anomalie, je suis tombé dans le coma pendant 12 jours. J'ai fait la rencontre... de moi-même. Il m'a dit... tout ce qui s'est réalisé depuis. Les équations de l'astromoteur. Les essais sur la Lune. L'évaporation de l'atmosphère terrestre en raison de ce que nous avions fait. Mais il m'a également parlé d'une ville florissante sur une planète en orbite autour d'une étoile lointaine. De culture, d'art, de musique, et de mode de vie humain évoluant et rayonnant dans l'espace tout entier. Quel prix serais-je prêt à payer pour cet avenir ?
Peut-être que vous ne me croyez pas. Peut-être que Judith avait raison. Peut-être que je ne suis qu'un lâche qui veut croire que ses erreurs étaient justifiées. Mais tout le monde a oublié la véritable origine de l'astromoteur. Cet artefact sur Mars. J'espère que vous en ferez un meilleur usage que moi. Oh,
capsule. Journal de la station. Journal de la station. Journal de la station. Docteur Judith Tatienne. J'avais pas été aussi nerveuse depuis ma soutenance de fin d'études. 4 heures à discuter avec Victor et son équipe des métaux théoriques. Que le tableau périodique des éléments vient passer par la fenêtre. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai demandé de venir ici. Les artefacts ont déverrouillé le secret du voyage interstellaire. Et cela a tué la Terre. Franchement, le choix était vite fait. Pourquoi se contenter d'un seul monde quand on peut avoir tous les systèmes occupés? Principe que nous n'allions pas le perdre. La guerre, les maladies, la famine, tous les classiques. Vous ne voyez pas? Le pouvoir de l'artefact a forcé l'humanité à se réfugier dans les étoiles. Les humains n'ont pas eu le choix. Combien de personnes auraient choisi la Terre? Qu'est-ce qui a donné le droit à Victor Aiza de choisir pour eux? Vous voyez l'hypocrisie dans ce que raconte l'émissaire, pas vrai? Ils ne veulent pas prendre leur libre arbitre aux gens, mais ensuite ils gardent tous les artefacts pour eux. Entre de mauvaises mains, le pouvoir des artefacts peut faire de n'importe qui un tyran. C'est pourquoi nous les surveillons.
La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est soi-même. Ne faites pas l'imbécile. L'émissaire et moi avons peut-être nos différences, mais vous n'avez pas envie de nous donner un ennemi commun. Pour une fois, il a raison. Ne faites pas ça. Ensemble, nous pouvons collecter les dernières pièces du puzzle. Eh bien, regardez-moi ça. L'émissaire et moi venons de devenir meilleurs amis. Vous avez fait votre choix. Quand vos préparatifs seront terminés, le chasseur et moi serons au temple enfoui. C'est là que nous réglerons nos comptes. Ça veut dire que nous vous tuerons. Mais bon, au moins, nous attendrons votre venue. La dernière manche commence lorsqu'il n'y a plus qu'un seul artefact à récupérer. Et si je ne me trompe pas, il n'en reste plus qu'un ou deux à obtenir pour Constellation.
Faites ce que vous avez à faire. Moi, ça ira. Matteo nous a parlé du voyage de ton pèlerin. Vous l'avez trouvé, n'est-ce pas? La signification de l'unité? Quoi? Vraiment? De multiples univers? Attendez, est-ce que je comprends bien ce que vous essayez de me dire? On va prendre un peu de recul. C'est l'achèvement de tous nos efforts et les implications sont difficiles à concevoir. Vous pourriez expliquer encore une fois cette histoire d'univers multiple ? Oui, j'aimerais bien un peu plus de détails. Et c'est pour cette raison que les Astriens cherchent aussi désespérément les artefacts. Ils sont la clé pour ouvrir l'infini. Je n'ose pas imaginer tous les changements physiologiques qu'il faut traverser pour passer d'un univers à l'autre. Est-ce que ça fait à l'esprit ? L'illumination ou l'inconscience ? Comme le chasseur. Vous avez l'opportunité d'atteindre ce qui se rapproche peut-être le plus de votre dieu. Et vous avez des réticences. On s'approche pas de la vie après la mort sans quelques appréhensions. Vous avez raison. Ça fait beaucoup à digérer. Prenez le temps de digérer tout ça. On a enfin des réponses. Maintenant, on doit décider de ce qu'on va en faire. Sans vouloir couper cette grande histoire, j'ai réparé l'Iris. Il y a eu des pleurs, mais ça cligne encore. Préviens-moi quand tu veux savoir ce qu'il a vu. Je dois... Hey, est-ce qu'on pourra se parler ? Hey, oh, oh. Vous aurez un moment. Il faut qu'on se parle. Ces dernières images du Léris proviennent des confins les plus éloignés de l'espace connu. Sont peut-être les dernières pièces à ne pas être aux mains des Astriens. Amuse-toi bien.
la grande classe. Est-ce qu'on peut vous dédommager d'une quelconque manière? Je vous transfère les pièces. Merci encore pour votre aide. Terminé. Thank you.
Centre de recherche Nishina. Ici Hugues. Que voulez-vous? Quoi? Nous n'avons pas envoyé de signal de détresse. Rien dans les communications. Aucun autre vaisseau dans le système depuis notre dernier ravitaillement. Qu'est-ce que vous mijotez au juste? Vraiment? Le labo de recherche sur les hautes énergies? Très bien. Je sais pas trop ce qui se passe ici. Mais vous devriez parler à la directrice. Une fois à l'intérieur, restez avec moi. Et ne faites aucun geste brusque. Je vais ouvrir la porte. Bienvenue à Nishina. Ethan Hugues, responsable de la sécurité. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous emmener à la directrice. Nous allons prendre l'entrée des artistes. Vous voyez ici notre magnifique zone de stockage. Ne touchez à rien. Qu'est-ce que... Oh, oh, on se calme. Qu'est-ce que c'était que ça? Vous étiez en train de me suivre et d'un coup, plus personne. Et une minute plus tard, vous sortez de nulle part, comme si vous étiez au beau milieu d'un combat. Mais y a rien ici. Je n'aurais jamais dû vous laisser entrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Une technologie de furtivité? Pour qui travaillez-vous? Écoutez, je n'y comprends rien. Allons voir la directrice. Elle y verra peut-être plus clair. Venez, c'est par là. Merci, mon Dieu. Enfin, quelqu'un est venu. Le signal de détresse. Vous avez capté le signal de détresse, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Attendez, comment vous avez fait pour entrer ici? Hugues? Ethan Hugues? Mais il est mort. Non. Non, 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 ça n'a aucun sens. À moins que... L'accident, c'est peut-être... Un autre effet secondaire de l'accident. Si la sonde envoie encore de l'énergie dans la distorsion, alors... C'est vrai. Nous étions en train d'étudier une distorsion gravitationnelle. Il y a 3 mois, je calibrais une expérience dans notre labo de recherche sur les énergies supérieures. Il y a eu un accident. Une explosion. Ça a entraîné une fuite de gaz qui a provoqué un incendie. J'étais coincé dans la salle de contrôle. Je n'ai rien pu faire. Et... Ils sont tous morts. Le labo a été construit autour d'un xénolithe, avec un objet métallique dense. Nous devrions... Attendez. Nous
oublié ça. Très bien, nous arrivons. Hugues, terminé. J'étais en train de prévenir la directrice. Passe quoi que ce soit, le bureau de la directrice est au premier au bout du couloir. Vous ne pouvez pas le rater. Par ici. Ah, entrez. Kaya Patel, directrice de la recherche. Et voici notre responsable scientifique, Maria Hugues. Ethan dit que vous avez disparu, juste devant lui. Deux fois? Trois fois? Directrice, vous ne prenez pas ça au sérieux. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous faites ici, mais il y a forcément une explication rationnelle à tout ça. Je vous demande pardon. C'est une affirmation audacieuse. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Dites-nous en plus sur cet autre univers. Raphaël? Raphaël est mort dans l'accident et... Quoi? Brûlé? La fuite. Directrice, il y a eu une fuite d'hydrogène juste après l'accident. Elle a été contrôlée en une minute ou deux. Mais si ça n'avait pas été le cas, elle aurait bel et bien pu causer une explosion. Mais un autre univers? C'est un gros morceau à avaler. Un artefact? La source de la distorsion? Vous savez quelque chose à ce sujet? Vraiment? C'est votre seule explication? Non, non, ça va. Vous avez eu une connexion antérieure avec eux. C'est peut-être pour ça que ça n'affecte que vous. Ce complexe ainsi que le niveau des recherches 2 kilomètres en dessous ont été construits pour étudier une distorsion gravitationnelle, cet artefact et le champ qu'il crée. Il y a 3 mois, notre ingénieur principal, Raphaël, calibrait une sonde expérimentale quand... quelque chose a mal tourné. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Il y a une série d'explosions et pourtant, elle fonctionne encore. Et vous pensez qu'on n'a pas essayé? Le dispositif d'arrêt d'urgence sur l'unité de contrôle ne répond pas. L'explosion a dû endommager la sécurité. Nous pourrions l'arrêter manuellement, mais le niveau des recherches est scellé. Nous ne pouvons même pas y descendre. Comment? Je vous ai dit que le niveau des recherches était scellé. On peut même pas utiliser ce foutu ascenseur. Quoi? Malin. Dans l'autre univers, Raphaël a survécu. Il est sorti du laboratoire. Donc ça veut dire que son ascenseur fonctionne. Prenez-le et vous arriverez peut-être à mettre un terme à l'expérience. C'est dingue. Mais avant toute chose, nous devons faire quelque chose pour vous traverser.
Nous ne pouvons pas éteindre la sonde, mais nous pouvons sans doute ajuster d'autres paramètres. C'est risqué, nous ne savons pas ce que ça va entraîner, mais... Très bien, on peut toujours essayer. Bien, donc nous avons un plan. Venez avec moi. L'unité de contrôle est dans le labo de fabrication, juste à côté. Dans quoi on s'est embarqué ? C'est vous. Que s'est-il passé? Vous avez disparu et le plafond s'est effondré et j'ai cru que j'avais fini par perdre la tête. Quoi? Comment? Écoutez, ce n'est pas facile ici, mais c'est encore pire là-dessous. Je m'en suis à peine sorti et c'était il y a des mois. Je n'y comprends rien. Si je n'avais pas vu votre disparition de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru. Mais... D'accord, d'accord. Vous êtes mon billet de sortie. On fait comme vous dites. On peut passer par la remise. Voilà la clé. Je vous couvre, c'est ça?
Brèche de sécurité. Allez, allez! Des heures à dégager, en espérant que le reste du bâtiment ne nous tombe pas dessus avant. Comment le saurais-je? C'est vous qui disparaissez et réapparaissez sans prévenir. Je veux juste pouvoir partir d'ici, aller faire ce que vous devez, et je vais nous dégager un passage jusqu'à la porte. Qu'est-ce que... Oh, c'est vous. Vous réalisez que vous venez d'apparaître dans mon bureau fermé à clé? Autant pour la sécurité. D'accord. Au bout du couloir, prenez les escaliers à côté de l'atrium. Attendez, laissez-moi vous ouvrir les portes. Et c'est terminé. Il vous fallait autre chose? Vous arrivez à vous perdre dans le couloir? Ah. Très bien. Voilà l'unité de contrôle de la sonde. La plupart de ses commandes ne répondent pas.
Je vais ajuster les paramètres disponibles très délicatement. On n'a aucun moyen de savoir ce qui va se passer. Faites attention et préparez-vous. Essayez dans l'autre sens. 91, 89. Qu'est-ce que... Ok, ok. Ça a l'air sans danger, mais... Qu'est-ce que c'est ? C'est une micro-distorsion. La disposition des flux correspond à la distorsion du labo. Ce paramètre ne fait que l'exposer. Avancez dans la distorsion, s'il vous plaît. Rien. Attendez. Il y a un léger changement de disposition. Une sorte de résonance. Restez ici. Laissez-moi augmenter à nouveau le flux. Calibration à 90, 91. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va ? Bon. Un flux bas permet aux distorsions de se manifester, et un flux haut vous fait traverser. Ça semble prometteur. Restez sur un flux bas jusqu'à ce que vous vouliez traverser. Vous devriez pouvoir éviter d'autres incidents. Je vous donnerai bien mon unité de contrôle, mais apparemment vous en avez déjà récupéré une dans l'autre univers. J'adorerais y jeter un œil quand tout ça sera terminé. Tout à fait. Si vous parvenez à descendre, vous devrez aller jusqu'au labo de recherche sur les énergies supérieures. Désenclenchez les verrous de sécurité et tirez les commandes d'arrêt d'urgence pour éteindre la sonde. Ça devrait enfin arrêter tout ça. Oh, avant que vous ne partiez, la directrice voudrait vous parler. Essayez de ne pas vous perdre à nouveau dans le couloir. Tout est prêt ? J'ai demandé au docteur Barakova de s'occuper de vous s'il vous faut du matériel. C'est le moins que je puisse faire après tout ce que nous vous faisons traverser. Avant que vous partiez, il y a quelque chose dont nous devons discuter. Si cette expérience est la cause de vos traversées, la stopper devrait permettre de les arrêter. Et que se passe-t-il après ? Pour vous et pour nous ? Nishina est un système clos. Deux états potentiels maintenus sous tension. Lorsque vous arrêterez l'expérience, cette tension se dénouera. Vous êtes l'œil externe au système. La réalité dans laquelle vous vous trouverez à ce moment-là sera celle qui subsistera. En tout cas pour vous et votre univers. La question est... lequel choisirez-vous ? Si le choix était entre ma vie et celle de Raphaël, je vous demanderais de le sauver, lui. Mais... en tant que directrice de la station, je suis responsable de mon personnel. 30 personnes. Des personnes avec des familles, des carrières, des futurs qui les attendent, dans cet univers. Vous n'avez pas à décider maintenant. Mais lorsque le temps viendra, gardez ça à l'esprit. Bien. Vous vouliez y aller, je crois. Le réseau étant coupé, nous ne pouvons pas désactiver le système de sécurité du niveau des recherches. Donc, attendez-vous à un comité d'accueil. Ethan ? Déverrouillez l'ascenseur de l'entrée, je vous prie. Madame, le niveau des recherches est toujours sous-scellé. J'en suis consciente. Je... très bien. C'est fait. Bonne chance. Ça a été une journée fascinante.
Tatiana Barakova, médecin du centre. C'est pas un hôpital public, mais la directrice m'a néanmoins ordonné de vous aider. Je peux me séparer de quelques kits de soins. Au-delà de ça, je ne suis ni votre thérapeute, ni votre psychologue, et encore moins votre esthéticienne. Pour toute autre chose, demandez-moi. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous avez pas l'air mal en point. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Laissez-moi voir ça. Finissons-en. Voilà.
confinement de sécurité actif. Les commandes de contournement d'urgence sont disponibles sur les terminaux de sécurité spécifiés.
d'urgence sont disponibles sur les terminaux de sécurité spécifiés.
de retour. J'ignorais si vous étiez encore en vie ou si vous alliez revenir pour moi. Je veux dire, je ne voudrais pas paraître ingrat, mais pourquoi avoir refusé de rester dans l'autre univers ? Je regretterai toujours ce qui est arrivé ici. Mais je dois aller de l'avant. Merci de m'avoir donné cette chance. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai récupéré quelques bricoles dont vous pourriez avoir besoin. Vous pouvez aussi prendre tout ce que vous trouverez dans les parages. Ça ne manquera à personne. Quant à moi, je vous suis redevable. Si jamais vous avez besoin d'un ingénieur, faites-le-moi savoir. Maintenant, quittons ce maudit caillou.
Thank you.
constellation connaît le deuil. Notre propre fondateur est parti en expédition pour ne jamais revenir. Il est facile de parler de la gloire et du frisson lié à la découverte d'endroits inexplorés, l'illumination dans les ténèbres. Mais il est plus difficile d'en payer les conséquences. De réaliser que tous nos progrès se construisent sur les vies de ceux qui ont osé aller plus loin. Et que nous leur devons le courage de continuer notre tâche en leur mémoire. Merci, Sarah. Si quelqu'un d'autre veut ajouter un mot. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose. Hé, hey, comment vous vous sentez ? Je sais que je trouverai quelque chose à dire, mais je suis vidé. Prenez du temps pour vous, d'accord ? Il y a plein de chambres disponibles si vous voulez vous mettre au calme un moment. Il y a bien longtemps. On va s'en sortir. On a peut-être l'impression que tout s'effondre, mais c'est pour ça qu'on doit se serrer les coudes. L'existence même est un mystère. Je vous en prie. Qui attend d'être découvert. Qu'est-ce que la bonté ? Je voudrais vous dire un truc quand vous avez un moment. Qu'est-ce que l'existence ? Tout le monde est en deuil. Je comprends, mais je suis incapable de partager leur émotion. Admiration et émerveillement. Elle n'existe qu'en contraste avec une. J'ai vu la mort. J'ai perdu de nombreuses personnes que je considérais comme mes proches. Mais là, c'est pas pareil. Je sais pas pourquoi. Ce que je dis est peut-être confus. Merci. Discuter un peu ? En temps normal, je déteste discuter pendant un enterrement. Mais bon. Merci. Vous croyez en une vie après la mort ? C'est peut-être le pire moment pour en parler, mais... Oui, ce sera pareil pour nous tous. Enfin, j'ai assez abusé de votre temps. Vous savez, ce que vous ressentez en ce moment même, c'est une réaction chimique dont l'objet révolutionnaire est de promouvoir la cohésion sociale. Ça ne semble jamais fonctionner pour moi, peu importe le nombre de tentatives. Je me sens moins attaché, c'est tout. Eh bien, regardez-nous. Deux loups solitaires hurlant à la lune le même soir. Vous savez, si je peux vous donner un conseil, c'est que ceux qu'on aime finissent toujours par revenir vers nous. Un jour, vous fouillerez une vieille étagère ou un bureau et vous tomberez dessus, sur ce vieux presse-papier ou ce bijou qu'on vous aura offert sur le ton de la plaisanterie. En théorie, bien entendu. Je vous en prie. Tout est donc entre nos mains. Nous sommes ceux qui restent. J'espère que ça ira. Entre les réparations, l'envoi des messagers et toute la paperasse à faire, ce n'est pas grand-chose. Bien. Désolée, je vais me mettre à pleurer si je parle plus longtemps. Vous voulez bien m'excuser ? L'humanité est ce qui crée réellement notre monde. Nous sommes ceux qui jugent les choses... Ça semble presque mal de pleurer. Égoïste. Toutes les larmes du monde ne feront revenir personne. Rappelons-nous... C'est plus facile de se sentir coupable. Si vous voulez bien m'excuser. Walter, vous êtes... un membre du Cercle des Lumières ? Je ne savais pas. Oui, disons que... je préfère garder certaines choses. On m'a dit que ce type de rassemblement avait lieu pour des occasions tristes. Cela semble être correct. Merci d'avoir confirmé mon analyse.
même si je suis certain que mes remerciements n'amélioreront que peu votre traumatisme psychologique actuel. Si vous voulez, je peux ajouter un pilote réconfortant à ma programmation. Il va falloir un peu d'adaptation, mais... tout ira bien. Vous en pensez quoi? Votre retour est bien noté. Mon garçon. J'ai perdu mon garçon. Je n'ai pas pensé à ça, mais lorsque nous mourrons... Ça devrait être moi à sa place. Décomposer. Tout ce que je voulais, c'était le protéger. Mais non. Ou alors, il est parti dès qu'il a pu. Loin de sa mère, loin d'Aquila. Et le temps. Loin de moi. Jusqu'à ce que nous soyons grillés par la couronne d'un soleil lointain ou déchiquetés par un champ gravitationnel et qu'on finisse par se fondre. Bonjour. Que la vie continue, que les choses... Il y a tant de gens ici. Tant de gens qui disent adieu. Oui, mourons et certains meurent. Est-ce que c'est censé rendre les choses acceptables? Faire que tout le monde se sente mieux? Et qui ne voudrait pas faire partie de l'infini? Mais tout ça, ça change rien, si? Nous n'avions pas conscience de tout. J'ai juste envie d'être à des millions d'années-lumière de tout le monde. Je préférerais être seule un instant, ok? Mais, merveilleux instant, nous y sommes, ensemble. On avait fait un pari avec Sam. Oui. Celui de nous deux qui irait à l'enterrement de l'autre. Vous voyez? Ça sera 50 crédits qui ne repartiront plus jamais dans l'économie des systèmes occupés. Écoutez, je sais pas à qui je dois parler de ça, mais... Cora et moi, on a discuté. Elle va venir habiter avec moi. C'est très généreux. Mais ça fait des années que je souhaite avoir plus de temps avec ma fille. Pas dans des circonstances pareilles, mais il vaut mieux qu'elle soit avec sa famille. Nous partirons d'ici peu. Donc, si vous voulez lui dire au revoir... Un verre? À lever à la mer du néant? Aux vieux amis. Que leurs fantômes passent les confins de l'espace vers le grand au-delà. Aïe. Excusez-moi. Ça fait plaisir de vous revoir. Je me demandais si vous alliez vous arrêter. Merci encore de m'avoir ramené à New Atlantis. Les boissons du Viewport sont comme dans mon souvenir. Moi aussi, j'ai eu du mal à me reconnaître après une douche et une coupe de cheveux. Mais le changement m'a rappelé l'homme que j'étais quand j'étais encore à New Atlantis. Je suis encore un peu secoué, mais je vais bien mieux que lorsqu'on s'est vu. Et mes compétences ne sont pas dégradées. Vous avez réfléchi à ma proposition de servir comme ingénieur dans votre équipage?
Sérieusement? Vous me donnez vraiment ma chance? Je ne m'y attendais pas, je ne sais plus quoi dire. Merci. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de vos attentes, capitaine.